Politique toujours avec cette question, la paix est-elle menacée en Europe avec le conflit ukrainien et doit-on remilitariser l'Europe de l'Est? Un colloque pour débattre de ces questions s'est tenu ce matin à la Citadelle de Lille en présence, vous le voyez, d'Elisabeth Guigou, députée et présidente de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Des militaires et des experts civils ont tenu des réflexions et des tables rondes. Propos recueillis, vous allez voir tout de suite, des propos recueillis de l'ancienne ministre par Fanny Bourdillon. C'est évidemment très très important de réunir ici et de façon répétée, année après année, des spécialistes de l'Europe de la, enfin, de la défense et qui sont convaincus qu'il faut faire avancer la politique européenne de la défense. Donc ça, moi qui suis une Européenne évidemment convaincue, qui me désole de la montée de l'euroscepticisme et même de l'europhobie, je trouve très important qu'ici à Lille, qui est une capitale européenne, eh bien, on s'empare d'un des sujets majeurs pour le projet européen.